Alors, bonjour, Monsieur Carl ici, aujourd'hui pour un cours niveau apprenti. Donc, très, très content d'être ici avec toi parce que on va vraiment tester aujourd'hui hein, ce qu'on a besoin de mériter pour gagner nos rubans. Et peut-être qu'à la fin du cours, je vais pouvoir sentir comment tu as bien travaillé et peut-être même te remettre un ruban virtuel hein, que tu pourras recevoir quand tu vas revenir à ton cours de karaté sportif. T'oublie pas, on pratique très fort nos cours, mais en même temps, on a beaucoup de jeux hein, que tu peux trouver sur le Facebook du karaté sportif, un jeu de bingo, on a un jeu de les échelles avec les serpents. Donc, tout ça adapté au karaté sportif, c'est toujours très le fun de faire ces jeux-là. Ça te permet en plus hein, que tu pratiques ton karaté de continuer à penser à tous tes mots de la semaine et tes paroles à succès. Donc, est-ce qu'on est prêt à commencer, vous, monsieur? Excellent! High five pour commencer! Pings! Excellent! On a hâte de te faire des vrais high five à bientôt! Donc, on ouvre un petit peu les jambes et on fait doucement des noms avec la tête. Après ça, on fait des oui de haut en bas. On tourne la tête seulement devant. Très bien. Les bras devant et on tourne les mains. On s'assure, hein, lorsqu'on pratique, de faire attention qu'il n'y ait pas de choses hein, autour de toi qui pourraient être dangereuses, que tu pourrais frapper, hein, comme un meuble ou un mur. On remet les mains sur les hanches et on tourne les épaules. Bravo! On ouvre un petit peu les jambes, on descend vers la gauche. Et on reste à gauche, mais on pousse une main vers le haut. On va à droite, premièrement les mains sur les hanches, et on pousse une main vers le haut. On met les deux mains vers la gauche, et les deux mains vers la droite. Excellent! Est-ce qu'on est prêt à continuer, vous, messieurs? Bravo! Aujourd'hui, tu sais, normalement, ton cours de karaté, on court autour de la salle, on a beaucoup d'espace. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'espace, donc on va courir. Tu vas devoir courir vraiment vite quand je vais dire go, et arrêter en position d'écoute, hein, ne pas bouger et me regarder dans les Dieu, quand je vais dire stop. Donc, est-ce que tu es prêt à courir, oui, monsieur? Prépare-toi dans 3, 2, 1, go, cours vite! Qui court le plus vite sans avancer? On va vite, 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 stop! Oh, maintenant, qui bouge le moins? Qui me regarde dans les yeux, hein? Ça, c'est le contrôle, tu te souviens, hein? Nos trois, c'est la ceinture noire, contrôle, confiance, concentration. Le contrôle, c'est toi qui contrôles ton corps, à bouger ou à ne pas bouger. Est-ce qu'on est prêt à courir plus vite, oui, monsieur? 1, 2, 3, go, cours vite! Excellent, on court vite, on n'avance pas, n'oublie pas. Si ta soeur, ton frère, ton père le font avec toi, c'est celui qui court le plus vite. Encore 10 secondes, un peu plus vite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Wow, c'était beaucoup plus vite que la première fois. Hein? On dit qu'un karatéka est toujours, on est meilleur dans ce qu'on pratique le plus. Hein? C'est pour ça qu'on va faire une troisième série. La même chose, la course, est-ce qu'on va plus vite? Ou moins vite. Plus vite, hein? Excellent. Prépare-toi. Dans 3, 2, 1, go le plus vite! Qui court le plus vite? Qui est ultra rapide? Évidemment, n'oublie pas, on n'avance pas. On court rapide devant le téléviseur. Monsieur Carl, il te regarde. À la fin, il va voir si tu réussis à gagner ton ruban pour 5, 4, 3, 2, 1, et stop. On s'applaudit. Bravo! Wow! Monsieur Carl, on a besoin d'un autre high five. Boum! Excellent! Ça, c'est super! Donc, après avoir couru comme ça sur place, on va faire les squats. Donc, tu te souviens, on ouvre les jambes, on met les mains sur le côté, on descend très bas, on remonte et on n'arrête pas. Est-ce qu'on est prêt à faire les squats, oui, monsieur? Excellent! Dans 3, 2, 1, go! C'est parti, les squats! Descends très, très bas. Monsieur Carl te regarde. On veut voir que tu descends bas, que tu forces fort, que tu restes droit, que tu regardes Monsieur Carl dans les yeux dans 5. 3, 2, 1, et stop. On s'applaudit, bravo. Est-ce qu'on est prêt à continuer, vous, monsieur? On va peut-être revenir au squat plus tard. Pour l'instant, prépare la position de combat. Position! Position de combat! Ha! Donc, vraiment facile. Avec la main qui est devant, je vais faire mon jab et je vais venir ici. Mais évidemment, quand tu vas faire ton jab, tu dois aller vraiment vite et vraiment fort. Et n'oublie pas, je frappe avec une main et l'autre main me protège. Hein? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on est prêt à faire le jab, oui, monsieur? Et en même temps qu'on le fait, on le dit. Donc, je vais entendre jab vraiment fort jusqu'ici, hein, dans le studio karaté sportif. Est-ce qu'on est prêt à faire le jab, oui, monsieur? Go! Boom! Un jab fort. Wow! Plus vite. Go! Wow! Il y en a qui sont vraiment vite. Go! 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 Oh! Le plus vite et le plus fort avec un cri de karaté, le ki-ai. Go! Go! Prépare ton switch. Vite ou très vite? Très vite, hein? Switch!
Double switch! Excellent. Donc, de l'autre côté, là, c'est l'autre main qui va bien frapper en jab. L'autre main te protège. Et on revient comme ça. Évidemment, on va le dire vraiment fort en même temps. Est-ce qu'on est prêt à le faire et le dire? Excellent. Bravo pour tous ceux qui ont répondu fort. Oui, monsieur, hein? Parce qu'on a confiance. Et quand on répond fort, ça démontre qu'on a confiance en nous. Prépare-toi, le jab fort. Go! 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 Plus fort. Go! Plus vite. Go! Et les trois derniers avec les kiai, fort ou très fort? Très fort. Go! Go! Et le dernier, au maximum. Go! Poussons! On salue devant pour le respect des autres. On s'applaudit, bravo! Excellent! Donc, le jab, hein, c'est notre première technique, très simple. On va continuer avec le direct. Donc, le direct, c'est le même principe, mais c'est l'autre bras. Prépare la position rapide. Poussons! Poussons de combat! Ha! Donc, on avait le jab. Maintenant, sans changer de direction, l'autre bras, punch. Et on va dire direct en même temps. Donc, le bras derrière, direct, vraiment fort. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Donc, est-ce que c'est le jab ou le direct? Le direct, excellent, parce qu'on a déjà fait le jab. Donc, prépare-toi à faire le direct vraiment fort, puis dis-le fort. Go, direct. Go, direct. Wow, go, direct. Go, direct. Plus fort, go. Go! Avec un kiai, go! Maintenant, on combine les deux. Donc, on ne va pas faire le switch tout de suite. On mélange. Jab, direct. Jab, direct seulement une fois quand je vais dire go. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Excellent. Jab, direct. Très vite et très fort. Prépare-toi. Go! Jab, direct. Go! Jab, direct. Oh! Il y en a qui sont vraiment vite. Go! 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 Deux cris de karaté fort, très fort, ultra fort. Go! Switch! Ah! Oh, bravo! Seulement le direct, donc l'autre bras. Et on revient seulement un coup et on va dire direct. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Wow! Go! 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 T'oublie pas, en force fort. Go! Au retour au karaté sportif, hein, on casse des planches, tu le sais régulièrement. C'est avec ce coup hein, qui va te permettre de casser des planches. La jaune, la orange, peut-être la verte, la bleue, la brune et même la noire un jour. Hein. Bien oui, la planche noire, on va y arriver. Donc, ton direct doit être fort. Go! 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 Avec un kiai fort. Go! Wow! On mélange les deux. Quel est le premier mouvement déjà? Jab! Le deuxième... Direct. Excellent. Tu sais qu'on y va très fort. Jab direct fort. Go! 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 Bravo à ceux qui frappent vraiment fort. Go! Bravo à ceux qui ont les mains devant. On se protège. Go! Go! Et tu sais ce qui s'en vient, hein? Deux cris de karaté très fort. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Excellent. Prépare-toi. Deux kiai. Go! Plus fort. Go! On salue. On s'applaudit, bravo. Monsieur Carl continue avec les high five aujourd'hui. Ping! Super de bon cours. Donc, est-ce qu'on est prêt à continuer, monsieur? C'est très simple, tu vas t'asseoir et ouvrir les jambes. Hein? Donc, c'est un petit peu le même principe. Monsieur Carl va être debout, mais toi, tu t'assois parce qu'on va être sûr qu'on me voit bien à la caméra. Je prends mes deux mains et j'attrape la jambe d'un côté. Donc, tout ça assis par terre et attrape les deux mains sur la même jambe. On descend. On tient là. Descends un petit peu plus bas. Hein? On essaie de descendre le corps et le front vers le genou. Mais les deux mains sur la jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, on reste bien assis. Tape deux fois dans les mains. Deux fois par terre. Deux fois sur la tête. Trois fois dans les mains. Une fois dans les mains. Et on prend nos deux mains et attrape la jambe de l'autre côté. Bravo aux amis qui sont assis, les jambes super grandes ouvertes, les deux mains sur la jambe. Hein? Maintenant, ça devrait être la jambe droite. Hein? Si on a bien suivi toutes les consignes, on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tape deux fois dans les mains. Une fois. Zéro fois. Oh, oh, oh. Zéro fois. Une fois. Les mains par terre sur le sol hein? Et tu les glisses devant loin. Puis pendant que tu les glisses, moi je te vois, hein?
Oh là là, il y en a qui ont porté les mains vraiment loin. On ne relève pas, on attend. On étire fort parce qu'après ça, on commence les kicks. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se lève debout vite. Poussons. Lève le poing et dis confiance. Excellent. On reprend la position et la position de combat. Poussons. Position de combat. Ha! Donc, tantôt, on a commencé avec le jab. Maintenant, ça sera le kick. La jambe qui est devant, muscle va dire go, kick. Et on reste comme ça. La jambe devant, hein, on peut la toucher. Celle qui est en avant, kick. Et on ne bouge pas. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Plus haut, plus vite et plus fort. À nos trois plus du maximum. Prépare-toi. On kick fort. Go! T'as raison, hein? On dit kick vraiment fort en même temps. Go! 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 Plus fort. Go! Oh, je mets mes lunettes spéciales, je te vois à la maison. Bing, 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 bing. Je vais voir maintenant celui qui kick le plus fort. Go! Bing, j'ajuste le plus haut maintenant. Go! Go! Et on fait un cri de karaté très, très fort. Go! Switch! Double switch! Double switch! Oh, j'essaie de t'avoir, mais un karatéka est toujours... T'es toujours prêt, hein? Bien concentré. On est prêt quand on est bien concentré. Et quand on est bien concentré, déjà, c'est les yeux, l'esprit et le corps. Bravo, bonne réponse. Donc maintenant, c'est l'autre jambe, toujours ici, hein, on se protège toujours, qui kick vraiment fort. Est-ce qu'on est prêt à faire ça, oui, monsieur? On le dit fort. Go! 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 Qui aille fort. Go! Switch! Oh, on mélange. Kick, jab, direct. Vraiment fort. Est-ce qu'on est prêt à faire ça, oui, monsieur? Go! Kick, jab, direct. Oh, oh, oh! Il y en a qui étaient vraiment vite. Go! Kick, jab, direct. Il y en a qui allaient vraiment haut. Go! Go! Dis-le fort. Kick, jab, direct. Go! On teste la concentration. Maintenant, on le fait en silence. Dis-le pas. Go! Comme un ninja en mission secrète. Go! Go! Trois qui aillent fort. Go! Switch! Double switch! Même chose de l'autre côté. Quel est le premier mouvement? Le kick, bravo. Deuxième mouvement, le jab. Et le dernier, le direct. Et on le dit très, très fort. Kick, jab, direct. Est-ce qu'on est prêt à le faire, vous, monsieur? Go! Kick, jab, direct. Go! Kick, jab, direct. Go! Kick, jab, direct. Wow! Go! Ah, c'est incroyable quand tu forces comme ça. Là. Go! Go! Et comme toujours, les trois clés de karaté très fort. Est-ce qu'on est prêt, vous, monsieur? Excellent. Go! C'est bien, hein? Mais tu sais, on dit qu'on veut toujours faire nos choses à 1 sur 10 ou 10 sur 10? 10 sur 10 à notre maximum. Ça, c'était comme 7 sur 10. Moi, je veux 10 sur 10. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. On reprend les kiaïs. 10 sur 10. Go! Wow! T'as vu la différence, hein? Ça, c'est ce qui fait la différence entre normal et super. Normal, hein, c'est 7, 8 sur 10, c'est très bon. Mais super, hein, c'est le petit plus qui fait la grosse différence. Est-ce qu'on est prêt à continuer, oui, monsieur? Prépare-toi, on est rendu à la forme de base. Poussons! On salue et on se place en position de défense. Ça, on l'a pratiqué beaucoup, hein, depuis qu'on fait les cours comme ça sur vidéo. Donc, répète fort. Stop! Je suis trop fâché pour parler. Je vais me calmer. Donc, quand on est fâché, est-ce qu'on pousse les autres, oui ou non, monsieur? Est-ce qu'on frappe les autres, oui ou non, monsieur? Est-ce qu'on se calme, oui ou non, monsieur? Oui, monsieur, hein? Est-ce qu'on se calme en criant ou on se calme en respirant? En respirant, hein? Parce que quand t'es fâché, tout le monde se fâche un petit peu. Si tu cries, tu frappes, tu te fâches plus. Et quand on est trop fâché, c'est là qu'on réfléchit pas bien, qu'on fait des choses ou on dit des choses qu'on regrette. Quand, par contre, on respire et on se calme, on réfléchit mieux. Et quand tu réfléchis bien, est-ce que tu lances des choses par terre? Est-ce que tu dis « mauvais mot à maman »? Bien sûr que non. Alors, quand on réfléchit bien, on a le temps de bien, hein, prendre des bonnes décisions. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est pour ça que c'est important de se calmer. Donc, on reprend. Poussons. On salue. En position de défense, on garde les mains hautes parce qu'on est toujours prêt. On répète fort. Stop! Je suis trop fâché pour parler. Je vais me calmer. On poursuit avec la position de combat. Ha! Et on fait nos blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. Refais-les seuls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Une dernière fois. 1, 2, 3, 4,
direct quand on reste en position de combat. Jab direct. Coup de coude, coup de coude. Coup de genou, coup de genou. Kick, kick. Et tu sais, le dernier jab direct avec les ki-ai. Ha! Ha! On salue. On s'applaudit. Bravo. Wow! Excellent. Monsieur Carl est prêt. On le refait une dernière fois. Est-ce que toi, t'es prêt? Oui, monsieur. Excellent. 5 sur 10 ou 10 sur 10? 10 sur 10. Prépare ta position. Poussons! Ça peut te faire gagner ton ruban aujourd'hui. On salue. Position de défense. Répète fort. Stop! Je suis trop fâché pour parler. Je vais me calmer. Ha! Fais tes blocs forts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jab direct. Coup de coude, coup de coude. Coup de genou, coup de genou. Kick, kick. Et le jab punch avec deux ki-ai. Go! Wow! Poussons! On salue. On s'applaudit, bravo. Et aujourd'hui, M. Carl, pour terminer, j'ai choisi le blocker. Donc, le blocker va permettre de vérifier. On a utilisé souvent le blocker, hein? Le blocker sert, premièrement, à pratiquer tes blocs. Peut-être certains coups frappés. Mais comme on l'utilise en ce moment, c'est beaucoup pour ta concentration. Parce que si tu ne regardes pas devant, tu vas pas voir. Si tu regardes derrière, puis M. Carl frappe avec le blocker à la télévision, tu vas pas le voir. Si tu penses à d'autres choses, hein, si tu penses que ce soir, tu vas écouter une émission ou tu vas jouer un jeu vidéo, eh bien, M. Carl va frapper, puis tu n'auras pas le temps de réagir. Donc, on veut s'assurer que les yeux, l'esprit et le corps, hein, tu contrôles ton corps à rester en position de combat, à boucher le bon mouvement. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Quand je frappe, tu fais une esquive. Quand je pousse, tu fais un bloc. Quand je frappe, tu fais un bloc. Et surtout, quand je frappe ensemble, tu fais un coup de karaté que tu décides. Un punch, un kick, un power punch, un shuto. Tous les mouvements que tu voudrais. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, monsieur. Et n'oublie pas, hein? On concentre les yeux, l'esprit et le corps. Prépare-toi. Oh, 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 belle esquive! Oh, beau bloc! Oh, beau bloc! Hein, c'est toujours mélangé parce que M. Carl, oh, oh, essaie de t'avoir! Et à l'occasion, oh, bravo à ceux qui ont fait le bloc! Le bloc! L'esquive! Oh, 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 le coup de carat! Oh, j'ai presque reçu ton direct, hein? T'étais vraiment rapide! Oh, bravo à ceux qui ont fait un kick! Oh, mais des fois, haha, c'est M. Carl qui frappe! Oh, oh, oh! J'essaie de t'avoir! Avec la vitesse! Je lui arrive pas! Poussons! On salue! On s'applaudit! Bravo! Wow! Donc, on va positionner le blocker ici. J'ai regardé tout ça depuis le début et j'aimerais te mentionner que Monsieur Carl juge que tu mérites un nouveau ruban sur ta ceinture. Évidemment, on ne peut pas le remettre tout de suite, hein? On va pouvoir te le remettre lorsque tu vas revenir au karaté sportif. Bravo pour continuer à faire tes cours comme ça en virtuel. Bravo pour continuer à faire les jeux qu'on fait à la maison. Bravo pour continuer à bien écouter tes parents, à bien faire tes consignes. Et on a vraiment hâte de te revoir. Prépare la position rapide. Bousson! Point droit. Au karaté sportif, on école ceinture. On s'applaudit. Bravo!